Hello la gang! Bienvenue dans un nouveau Vlogmas! Est-ce que ça va être le 19 ou le 20e celui-là? Est-ce que j'ai fait la fondue en premier? Je pense que oui. Donc là, vous aurez déjà vu mon petit vlog de fondue, donc ça veut dire que celui-là, on est le 20e Vlogmas. Hello, hello! Je capote, on est rendu le 20. Il reste juste comme 4 ou 5 Vlogmas. Habituellement, je me rends au 25, je crois. Mais donc, c'est ça. 4 ou 5. On va voir où la tendance nous amène. Mais bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous le voyez ou si vous l'entendez. Je vais mieux. Ma voix est pas tout à fait 100%. Mais je me sens comme plus que moi-même. Donc là, pour être encore plus que moi-même, je me suis mis un petit outfit festif. Une belle petite robe rouge avec des flocons. J'avais pas mis de rouge encore. Et, comme dans mes robes, je veux dire. Puis j'ai mis ça avec mon petit comme genre débardeur de lin. Je trouvais ça cute. Où est-ce que je vais aujourd'hui? À nulle part. Pourquoi je me suis maquillée et tout préparée? Je sais pas. Ça me tentait. Et là, la gang, c'est ça. Donc, comme vous avez vu, je vous ai fait un petit vlogmas de fondu. Je sais pas vraiment comment ça va tourner encore parce que, tu sais, on s'entend que j'ai pas terminé. Là. J'ai comme juste commencé un petit peu. La fondue va être ce soir, donc je vais continuer à filmer ça. Mais je trouvais que j'avais tellement de questions. Sauf comme j'ai tout, on aura tout rassemblé ça à la même place. J'espère que ça va avoir fait du sens. Puis, j'espère que vous aurez aimé. Mais là, c'est ça. Donc, 20e Vlogmas, aujourd'hui on est mardi pour vous, moi on est dimanche, donc un petit dimanche dans ma vie, un petit dimanche cosy avec moi. Il était censé d'avoir une tempête depuis hier, finalement pas de tempête à l'horizon encore, peut-être qu'on va l'esquiver, mais c'est pour ça que j'avais planifié une fondue, parce que qui dit tempête, dit soirée cosy à la maison, tu sais. Mais là, il faisait beau, gros soleil, ça je comprenais pas trop, mais là ça commence à être gris. Donc peut-être qu'on aura vraiment de la petite neige, mais c'est ça. Sinon là, moi il est comme 1h, puis je voulais justement commencer à faire des petits préparatifs et tout ça, pour pas être sur le rush, là, puis comme... Moi j'aime pas finir tous mes préparatifs, puis là tout de suite m'asseoir, tout de suite manger. J'aime comme quand j'ai la chance de faire mes sauces puis tout ça avant, puis qu'après j'ai juste besoin de sortir. Ok. Je vous expliquerai ça dans le... Ben, vous aurez déjà sûrement entendu ça dans l'autre vlogmas. Mais là, pour... c'est ça, je voulais vous dire un petit coucou. Comment c'est le vlog? Vous avez vu ma trop bonne poutine noum noum déjeuner. J'ai fait ça, je vous ai comme pas trop montré les ingrédients, là, parce qu'on avait comme faim. Mais je pense que vous avez vu là, sur moi, tu sais un peu qu'est-ce que, en gros, qu'est-ce que j'avais. Donc, des patates déjeuner. Sinon, j'ai fait cuire dans la poêle, revenir dans la poêle des saucisses déjeuner avec du bacon de dos, là, que j'aime beaucoup. Ça, bien crispy, bien comme presque calciné, on aime. Coupé en petits morceaux après, j'ai fait une sauce hollandaise. Donc, là, j'ai mis. Patates. J'ai mis la petite viande avec des champignons. Après, j'ai mis du fromage couscous. Après, j'ai mis de la sauce. Moi, je me suis fait un œuf poché. Francis n'en voulait pas. Avec des oignons verts, ail et herbes, flocons de piment, poivre, sel. Ah oui, par là. Donc, c'était bien nous. Avec un café au pain d'épices que je m'étais fait. Mais là, c'est ça, vu qu'on a mangé un gros déj, je veux pas dîner vraiment. Je me prends peut-être une petite grignotine cet après-midi. Là, genre une assiette de, je me ferai une assiette de fruits. Mais là, ça me tentait, vu que dans le dernier vlogmas, ben l'avant-dernier pour vous, là, vous l'avez déjà vu, là, ça je vous dis. J'ai-tu déjà ouvert la maison? Non, ok, c'est ça. Donc, dans le vlogmas que vous avez vu hier, vous, donc dans le fond, le 17, j'avais mangé 2 chocolats. Lui d'hier était pas bon, lui d'avant hier était bon. Donc là, si la tendance se maintient, un bon, un pas bon, un bon. Aujourd'hui, ça devrait être noum, donc on dirait que ça m'excitait. Ah, on dirait non. J'ai vraiment de la misère. Crème de cassis, j'adore ça. J'adore le cassis comme en temps normal. Là, je suis pas la chance d'en goûter beaucoup, là. Mais, oh, la neige commence! Oh!
It's beginning to look a lot like Christmas. Ok. Super. Donc, c'est quoi là au. À l'île d'Orléans, c'est Mona et fils. Cassis et fils. Mona. Je pense quelque chose comme ça là. J'étais allée une fois avec mes amis, on avait mangé comme un bon sorbet. Là. C'était tellement bon. Donc, on va donner une chance. Ça dit purée cassis et crème de cassis de l'île d'Orléans. Ben, garde. On est-tu dans le thème ou on l'est pas? Puis, on doit se le dire, par exemple, très beau. Très beau. On dirait que c'est Picasso qui a fait ça. Moi, j'ai peut-être pris la crème de cassis. OK. Ça me tente moins que les autres. C'est fruité, mais... On dirait que ça se marie bien avec le chocolat, plus que les autres. Tandis qu'on est là, je vais ouvrir celui que j'ai jamais ouvert. J'ai jamais ouvert le 11. Je vais les mettre dans un petit sac. Après, comme ça, mon calendrier sera ouvert. 5 crèmes. Ganache faite de boisson au sucre à la crème du Québec, chocolat blanc et chocolat caramel doré. Ça doit être bon. C'est un crème, c'est bon. Il est beau. Il a l'air comme dans un petit flocon. Donc, on va avoir lui. Pas tous les manger à cette heure, là. Le 7, je l'ai jamais mangé. Il m'inspirait pas. Hibiscus fruité. Genre, ça me tente pas de boire. Drink de Starbucks, là. OK. Ensuite, Ensuite, le 15, j'avais pas ouvert. Oh, gâteau de fête doit être bon. Ganache, chocolat blanc, vanille, paillettes, multicolore. Oh, trop mignon. Regardez ça. Je suis curieuse de savoir, vous. Je vais faire ma petite youtubeuse. Comme ça. Je serais curieuse de savoir si vous, vous l'avez cette année, si vous l'aimez. Le 14. Oh, caramel au beurre. Caramel au beurre maison. This is my jam. Moi, je suis beaucoup comme, tu sais, caramel, noix. J'aime ça. Ah, ça, c'est bon. Je garde ici précieusement. On va le déguster ensemble après. Le 12. Crème de menthe Isabelle. Oh, oh, oh. Ganache de chocolat blanc à la crème de menthe québécoise. Excusez-moi, pardon. Ça aussi, c'est dans ma palette. J'adore. On va mettre de côté. Je vais mettre ceux qui m'intriguent, ceux qui ne m'intriguent pas. Le 13. Oh, trop cute! Tarte au bleuet. Ganache, chocolat blanc et purée de bleuet numéro 13. Et j'ai vraiment une grosse réaction. OK. M'attendez pas à ça. Je pense que gardez. Comme ça peut être plus cute que ça. C'est des petites tartes. Non. OK. Donc là, on a joué la gang. Ils sont tous ouverts. Lui, dans le milieu, c'est bien plus 25. Il y a un F. Final, peut-être. On va attendre. OK. Donc, la gang, c'est ça. Petite capsule calendrier de l'Avent. Mais Sam, je vous ai demandé dans un des derniers vlogs, c'est quoi votre calendrier de l'Avent cette année? Et je n'ai pas eu de réponse. Donc, j'aimerais savoir votre calendrier de l'Avent. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est là que ça va se passer. Je vais faire le concours de la tasse. Ça fait une couple de jours. Ah, moi, je pourrais attendre un petit peu. Je pourrais peut-être faire ça à la fin. À la fin, le 25. Non, j'aimerais peut-être vous laver avant Noël. Pour... Ouais, c'est dans ce vlog-ci, je vais faire... j'annoncerai la gagnante de la tasse de... à la Rock Design, la belle tasse là, de Starbucks. Si je me trompe pas, je vous avais dit de juste mettre un commentaire là, pour participer. Mais ça, on oublie. Il y a trop de choses qui se passent dans le vlog. Mais... Donc, je mange celui-là avec vous. Caramel, chocolat. Comme ça, on est dans le best. Oh, il est où? Comme ça, tu parles. Ça, c'est très bon. Sinon, ce matin, j'ai fait un beau petit ménage. Ma cuisine est toute propre. J'ai même lavé. Cosse qui ne fitait pas dans la vaisselle à la main. C'est un grand jour. S'il y avait une chose dans la vie, là, comme une tâche ménagère qui me tente, c'est laver de la vaisselle à la main. J'aime pas ça toucher l'eau, puis comme les... Vous comprenez?
Sinon, j'ai un lavage sur la gauche. J'aimerais aller en plier 1. J'aimerais aussi laver ma toilette. Je pense qu'on va faire ça. Avant de commencer mes sauces ou faire mes sauces. Puis, ouais, je pense faire mes sauces avant. Mais bon, je parle tout haut. J'aurais pas vraiment besoin de faire ça. Donc, on arrête. On se repart plus tard. Et je vais être obligée de sortir vite vite à l'épicerie. Je vous ai tout filmé que j'avais besoin pour manger une fondue, préparer une fondue. Qu'est-ce que j'ai oublié? Du bouillon fondu. Un petit peu malaise. Donc, on se part tantôt. Oups. Désolée. Ding ding. Hello, hello la gang! J'espère que vous allez bien. Je viens de sortir pour aller faire des petites courses. Vous aurez vu ça dans un autre vlogmas, mon petit vlogmas de fondu. Mais là, je capote. Je m'avais fait une commande chez la cousine. Des petits cadeaux de dernière minute auxquels j'avais pensé. Puis Amélie faisait sa dernière livraison par ici aujourd'hui. Donc, moi, je me suis acheté 3 petites choses. C'est Noël, hein? J'avais le droit de me gâter. Et là, j'ai fait... Oh my God! J'ai acheté 4 fois la même affaire. Malheureusement, je ne peux pas vous dire c'est quoi. Mais genre, trop cute. Ils m'ont tout enveloppé ça. Non, non. Dans les petits sacs des cousines. Et une petite cocotte. Après, j'ai une orange comme ça. La voyez-vous là? Puis ils m'ont même mis une étiquette. Genre, je vais être capable d'écrire le nom, genre, à qui vont mes petits cadeaux. Mais genre, regardez ça. Non, 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 mes petites oranges, puis tout. Capote. Merci, ma belle Amélie. Elle est venue me livrer ça aujourd'hui. Puis, moi, je me suis pris des essentiels pour me faire une soirée self-care. Je sais pas si on va faire ça ce soir. On pourrait peut-être faire ça demain. On verra comment ça file. Peut-être après la fondue, ça me tentera de me prendre un petit bain. On verra. Mais je me suis pris mes essentiels parce que j'en avais plus. Et tu sais, là, vu que j'avais plus de voix, semi-débouchée, en tout cas. Je me suis pris les fameux shower steamer The Best of the West. Comme on pourrait dire, genre The Best of the Best. La crème de la crème, genre n'importe quoi. N'importe qu'est-ce que vous voulez. Eucalyptus et menthe, je capote. Donc, moi, j'ai pris le gros format, mais aussi, c'est le fun à ce temps-là. Genre, un format avec deux. Donc, un petit paquet avec deux, genre, pour essayer. Donc, vraiment trop le fun. Les petits deux aussi, c'est parfait pour mettre dans un... Je pense qu'il y a quelqu'un qui tournait ici. Dans un bon Noël. Aussi, rester dans la thématique self-care Christmas festif. Je me suis pris une bombe de bain au bain d'épices. Donc, on se fera une petite soirée festive de Noël, self-care, à un moment donné. Donc, elle est vraiment trop cute. Au début, je pensais que c'était à la canne de bonbons quand j'avais vu les couleurs, mais non. Gingerbread. Et pour terminer sans beauté, avec un petit dessert festif, j'ai pris le Insta Cake. Donc, c'est... Moi, ça me fait penser, genre, au Easy Bake. Comme quand on était tout petit, puis on se faisait des petits gâteaux, là, tu sais, dans le fourneau, là, trop cute. Puis, Amélie m'en avait déjà donné un. Genre, le normal, là, comme pas de Noël, mais je l'ai jamais fait encore. C'est comme un gâteau pour, comme, une portion, mais comme t'as tout, là, comme t'as une chandelle, puis tout. Donc, je me suis dit qu'on allait pouvoir vivre l'expérience ensemble, ça me tentait. Là, c'était au Candy Can. Donc, je trouve ça trop cute. T'as comme le petit paquet, genre, pour le mettre dedans. T'as une petite... genre, pas une chandelle, mais comme un bonhomme, là, pour mettre sur le dessus, genre, le décorer. C'est comme t'as des sprinkles, t'as du frosting, t'as le mix. Comme c'est vraiment genre un cake mix, là, comme une boîte de gâteau, mais version... individuel. Je trouve ça trop cute. Donc, c'est ça, mes petits chats. Je vais aller mettre ça sous le sapin. Ça va être mignon. J'ai hâte de voir si Molly va essayer de manger les citrons, les oranges. Oh, les petites limes. Pas les citrons, les petites limes. Cute. Peut-être qu'elle va essayer de manger ça. J'ai hâte de voir. Sinon, ouais, donc moi, je me suis pris... je suis allée
aux frenettes, puis je me suis pris un pain aux bananes d'une boulangerie d'ici. Donc, je vais manger un petit pain aux bananes avec des clémentines. Ça va me faire une collation d'après-midi. Vu que j'ai pas dîné, j'ai juste eu un gros déjeuner, mais on va manger un gros souper. Non. Donc, je vais manger ça, puis je vais aller faire du montage. Donc, on se parle tantôt. Bonjour, bonjour! Comme vous voyez, nouveau petit outfit, donc nouvelle journée. Toute la semaine, vous allez voir mes petits outfits festifs. Donc là, aujourd'hui, à l'école où j'étais, c'était habillement rouge, habillement vert, accessoires de Noël. Donc j'avais mis ma belle robe du Giant Tiger. Elle est rouge, il y a des petits pingouins, des sapins. Il y a du autre chose, des flocons. Puis c'est la première fois que je mettais, une robe rouge cette année. Et j'avais mis une robe de flocons dans le dernier vlog là, que vous avez vu. Mais je veux dire, comme à l'école, puis là, on dirait que je me sentais comme full festive. Ah, je pourrais même vous montrer mes dessins parce que je suis comme dans la mood de Noël. En tout cas, je vais aller les chercher, je vous reviens. Ok, I'm back. Avant de vous montrer mes chèvres. Non, je vais pas vous montrer des chèvres, je vais vous montrer des chefs-d'œuvre. Ok? Bizarre. Avant de vous montrer ça, je vais couler mon petit lait avec vous juste parce que c'est satisfaisant. Donc, je me suis fait un. Oh! Non, la belle mousse. I love it. Je me suis fait un ice légéro. Donc, ice légéro, je me suis fait mousser du lait et j'ai ajouté du sirop de pain d'épices et je capote. Donc, ouais, ça va être ma petite tête de montage parce que là, je m'en vais faire du montage pour pouvoir filmer un autre vlog ce soir. En tout cas, tac, 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 ça y va, on arrive, fini la gang. Je capote comment le vlog mais ça arrive fini. Puis là, plus ça y va, plus je me sens festive, plus je suis comme pleine d'énergie. Mais comme aujourd'hui, je sentais là, que Noël arrivait. Puis on dirait que je capote. Ou là, je capote tellement que je me suis pris une assiette de biscuits de Noël pour faire mon montage. J'ai parlé. En tout cas, on dirait que j'ai parlé comme mon accent hein, quand j'allais. Je suis pas grave. Bon, ok. Bref. Et je me suis fait des petites pâtisseries de Noël, donc je vais manger ça, faire mon petit montage, regarder la neige qui tombe, je capote. Donc c'est ça aujourd'hui avec les amis, on avait une petite période, là, c'est... il y avait un calendrier là, dans leur classe, puis l'activité du jour c'était genre faire un dessin là, de Noël. Donc je vous présente mon beau dessin de Noël, genre Call Me Picasso, genre regardez comment c'est mignon. J'ai fait un beau petit Père Noël avec un sapin, avec son sac, des cadeaux. Donc, on dirait que j'ai 2 ans tellement je suis comme contente. On dirait que j'ai le goût de le colorier. J'aurais pas dû le plier, putain. Puis aussi, j'ai commencé 2 dessins à colorier quand c'était la relaxation et les jeux libres. Donc, je vous présente mon beau coloriage. Regardez comment c'est beau. Donc, les petits gens, ça c'est moi. Regarde mes cheveux frisés avec mon bandeau. Ça c'est mon babe. Puis ça c'est nos chocolats chauds. Super. Et j'ai commencé celui-là, mais j'ai pas eu le temps de terminer. Donc, super. J'ai coloré ça avec les amis.
Et j'ai eu un beau dessin de chat de Noël. Super. Avec une petite canne de bonbons. Trop mignon, les petits amis. Mais c'est ça, la gang. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais conclure le vlog là-dessus. Sur mon petit café festif et mes pâtisseries de Noël. Très contente de vous avoir partagé aussi mes talents de grande dessinatrice. C'est ça. Si je décide de changer de carrière, je pourrais me lancer dans la carrière genre style Picasso. OK? Mais ouais, donc là, il est 3h pour moi. Et je vais aller faire du montage. Puis je vous remercie d'avoir été ici avec moi pendant ce petit vlog. Et là, ce matin, c'était mon vlog de fondu. Je pense vraiment que vous avez aimé ça. Puis c'est quand même drôle parce qu'il y a quelqu'un qui a dit genre, ça prend bien toi pour parler pendant 45 minutes de fondu puis que ça soit intéressant. Puis plus j'y pense, j'ai quand même parlé pendant 45 minutes de temps de fondu. Puis comme j'aurais sûrement pu jaser plus parce que j'ai coupé beaucoup de bout parce que c'est bien beau mes histoires puis mes affaires là, ben après faut en revenir. Mais des fois je me fais rire, j'ai pas d'allure. Mais c'est ça la gang, donc merci d'avoir été avec moi. Je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous souhaite des beaux petits jours avant Noël. Puis profitez de tous les petits moments parce que ça passe vite. Mais c'est ça, je vais aller m'allumer une bougie parce que je suis vraiment triste. Je pense que mon diffuseur de maison la vente et je pense qu'il a rendu l'âme. Je sais pas. J'allais pour l'allumer, j'ai mis de l'eau puis tout, je l'ai lavé puis ça après, mais il fonctionne pas. Je sais pas. Habituellement, quand je fais du montage, j'allume mon petit diffuseur. J'en ai un autre, là. C'est juste une maison d'amande, il est comme beau. L'autre, c'est genre un Doterra, là. Il est blanc, puis il est mauve, là. Il est correct. Ça fait l'affaire. Je vais peut-être le mettre d'ailleurs, parce que j'aime quand même de l'huile essentielle quand je fais du montage. Mais bon, vous n'avez pas besoin de tout savoir, mes états d'âme. Donc, pour la troisième fois, je dis donc et je vous laisse, la gang. Merci pour tout. Puis, on se dit à demain. Bye! Bonjour la gang, je suis en train de faire le montage et je viens de réaliser que j'ai oublié de vous demander une question existentielle. Donc pour terminer, je pense que j'ai déjà dit ça ou... Oh non, je pense que c'est sur Instagram. Pour conclure le vlogmas, je termine tout le temps avec un Q&A. Donc j'aimerais savoir si vous avez des questions pour moi, puis si j'ai le temps, mais là... Ça va dépendre, là. J'aimerais aussi faire un petit segment ou une petite vidéo avec Francis aussi. Donc, des questions pour moi, des questions pour Francis, pour des questions pour nous, pour des... Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des questions, ça peut être des ça ou ça. Ça peut être... je sais pas trop quoi d'autre ça pourrait être, là, mais n'importe quoi. Et c'est tout. Donc là, je vous laisse pour vrai, de vrai. Bye!